s'est transformé en un océan de merde. Et chaque jour, on s'y enfonce un peu plus. L'anarchie gagnant du terrain, les polices du monde durent se résoudre à fusionner pour créer l'agence. Mais cela n'a pas suffi. Trois factions rivales se partagent désormais le contrôle de notre capitale, Pacific City. L'agence est retranchée dans un complexe de haute sécurité nommé la Forteresse. L'accès est contrôlé et les bâtiments gardés, péniblement, par les pacificateurs. Il faut réagir ou bien disparaître. L'agence a recyclé les travaux d'un scientifique controversé, le docteur Baltazar Chernenko. Son programme de création eugénique a produit de nouvelles recrues pour l'agence. Les agents, des instruments de justice dotés de pouvoirs et de capacités de régénération inégalées. L'agence se prépare à enfin envoyer son premier agent dans les rues. La guerre est déclarée une guerre contre le crime. Bienvenue dans l'agence, agent. Je suis votre principal officier de liaison. Pour faire court, je suis votre meilleur ami. Enfin, le seul. Je vous guiderai et vous tiendrai informé des dernières mises à jour tactiques indispensables à l'élimination des trois gangs qui règnent sur la ville. Votre objectif premier est d'abattre les trois chefs de gang. Don Domingo El Brazo Garcia, le charismatique chef des Los Muertos. Vladimir Goliath dit le loup, le chef des Volks. Et l'énigmatique Wang, patron de la Shaijen. Nos services suggèrent de commencer par localiser et éliminer les lieutenants de chacun des chefs de gang pour affaiblir leur défense. Il est temps pour vous de vous frotter au terrain, agent. Des véhicules révolutionnaires sont à votre disposition à la base, la forteresse. Nous y voilà. Le garage de l'agence. Placez-vous sur l'aire d'identification violette pour y pénétrer et choisissez votre véhicule. Empruntez les tunnels au-delà des portes blindées pour accéder au quartier de la ville. Attendez! Ce tunnel mène à un quartier qu'il vaut mieux éviter si vous n'avez pas fait vos preuves. Les pacificateurs sont de votre côté. Pacificateur, agent. Le gang de Los Muertos est rapidement passé du statut de petit dealer à celui de grand groupe de narcotrafiquants qui règne sur les deux îles de la Mugrée, connue sous le nom de La Fange, un quartier de l'est de Pacific City. Le nom du gang, les Morts, avait été choisi pour effrayer les inconscients qui auraient tenté de leur barrer la route. Maintenant, leur nom est associé aux cadavres qui jonchent les rues, victimes de leur trafic ignoble. Les membres des Los Muertos sont des combattants remarquables, dont la force n'a d'égal que la brutalité. Ils ont plus qu'un penchant pour les voitures. Ils les volent, les transforment complètement et s'en servent pour accomplir leurs divers méfaits. Gardez bien en tête, agent, qu'en cas de besoin, les toits de l'île sud de la Mugrée représentent une bonne position de repli. Pour garantir votre approvisionnement en armes et munitions, vous devez reprendre le contrôle des points de ravitaillement de l'agence. Ces relais sont disposés stratégiquement à travers la ville, mais contrôlés par les gangs. Vous devez vous emparer d'un de ces relais. Un marqueur indiqué sur votre ATH vous indiquera le chemin. Nous avons envoyé des pacificateurs reprendre les points de ravitaillement sous le contrôle des gangs, mais ils ont échoué.
pacificateurs font face à forte partie. Il est temps pour vous d'intervenir et de leur montrer comment on s'y prend. Le faisceau de lumière orange visible sur votre ATH désigne l'entrée du point de ravitaillement, agent. Apportez cette arme jusqu'à un point de ravitaillement, agent. Elle sera ajoutée à l'arsenal de l'agence et mise à votre disposition depuis n'importe quel point de ravitaillement. Bon travail, agent. Vous avez sécurisé un point de ravitaillement de l'agence. Désormais, vous pouvez librement circuler entre ce point de ravitaillement et celui de la forteresse. Reprenez d'autres de ces relais pour ouvrir davantage de raccourcis à travers la ville. Votre logiciel d'interface est mis à jour, agent. Les points de ravitaillement passés sous notre contrôle sont représentés par des marqueurs orange. Ceux toujours aux mains de l'ennemi oscillent de l'orange au blanc. À présent, montrez à ces gangs ce que vous avez dans le ventre. Les pacificateurs nous ont remonté des infos tactiques. Je les envoie sur votre ATH, maintenant. Juan el Número Martinez et les yeux et les oreilles de Los Muertos. Il sait tout ce qui se passe dans le quartier grâce à ses fidèles cogneurs. Résident au cœur même de la cité bâtie à flanc de colline, sur l'île méridionale de la Mougré, ce criminel manipulateur et rusé tient également la haute main sur les finances des Los Muertos. Martinez sait très bien employer les considérables revenus du gang lorsque celui-ci est menacé. Il engage les meilleurs assassins possibles. Votre logiciel d'interface a été mis à jour, agent. Un marqueur caractéristique vous guidera jusqu'à cette figure clé du gang. Zone grouille d'activités criminelles, agent. Nos renseignements suggèrent qu'un lieutenant des Los Muertos dirige les opérations depuis l'un de ses toits. Votre chance, pourquoi pas? Fuck you!
Quand vous entreposez des armes dans un point de ravitaillement, vous pouvez en disposer depuis n'importe lequel de ces relais. Fraîche pour vous, agent. Maintenant que Martinez est mort, le gang de Los Muertos va se trouver à court d'argent et d'informations. Les cogneurs n'ont ni l'intelligence ni l'expérience pour prendre sa place. Les membres de Los Muertos deviendront des cibles faciles. Excellent travail, agent. Passez la ville au peigne fin et débusquez les autres membres clés du gang. Vous avez carte blanche. Je vous tiendrai informé des dernières mises à jour tactiques glanées par les pacificateurs.